Yo les gars, Sensio se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Pet Simulator. Les gars, aujourd'hui c'est un gros concept avec 10 abonnés. Donc si jamais vous aussi vous voulez participer aux vidéos, sachant que quand on fait participer des abonnés, il y a toujours des huge à gagner. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, parce que c'est sur le serveur Discord les gars que je recrute des abonnés. Et donc que vous pouvez participer aux vidéos. Mais pour cette vidéo les gars, il fallait le micro, parce que c'est une vidéo à prendre ou à laisser. C'est un peu comme la vidéo de MrBeast, je sais pas si vous l'avez vu les gars. La vidéo de MrBeast avec MXM, en gros ils avaient des boîtes. Et donc dans chaque boîte il y avait marqué soit tu étais éliminé, soit tu restais. Et bah nous c'était à peu près pareil. Sauf que au lieu de marquer éliminé et rester, il y avait soit des huge, soit des items super rares. Et donc à chaque fois, l'un des deux participants les gars choisissait une boîte, aléatoirement bien sûr, et il regardait ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc en fonction de ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte, il devait soit mentir, soit dire la vérité, ou bluffer à son adversaire pour que l'adversaire y prenne la boîte, ou alors il la prenne pas. Donc voilà le concept. De toute façon, vous verrez la vidéo, c'est super cool. Donc merci aux 10 abonnés qui ont participé. C'est parti pour la vidéo. J'espère que vous allez kiffer. N'oubliez pas de bombarder les likes et les abonnements. On rush les 10 000 abonnés. Je pense qu'on peut réussir à les rush avec cette vidéo. Donc c'est parti les gars, tout le monde s'abonne. Et marquez dans les commentaires qui est le 10 000e abonné. J'ai envie de savoir c'est qui le 10 000e. Et donc les gars, c'est parti pour la vidéo. Bonne chance à tous et let's go. Ok les mecs, aujourd'hui il y a un huge de fou à gagner. De base, les gars, le huge qu'il y a à gagner aujourd'hui, il était pour la vidéo, mais au final, il y avait trop de huge dans la vidéo. Je lui ai dit à Phoenix, Phoenix, t'es sûr, parce qu'il y a vraiment trop de huge. Donc, je lui ai proposé d'en faire gagner un pour les abonnés. Donc, vous pourrez dire merci à Phoenix et à moi aussi, parce que j'ai réussi à négocier avec lui. Du coup, de base, les gars, ce joli huge Shuriken, il était pour la vidéo. Mais moi, j'ai dit à Phoenix, allez, c'est parti. On le fait gagner aux abonnés de YouTube, parce qu'il y avait déjà trop de huge à gagner dans la vidéo. Du coup, Phoenix, il m'a dit, vas-y, ok, c'est parti. On fait gagner pour les abonnés YouTube. Du coup, voilà, les gars, c'est le huge Shuriken. Il est incroyable. Je sais pas si je l'ai déjà fait gagner. Donc, les gars, pour participer, pour gagner ce joli huge, vous allez devoir me mettre le code secret. Donc, le code secret, les gars, je vous mets un exemple. Il sera écrit de la même couleur que l'exemple. Il y aura écrit code 2 points, blablabla. Et donc, vous marquez le code secret, vous le cherchez dans la vidéo. Et puis, bonne chance à tous. Et les gars, évidemment, pour tous ceux qui vont pas regarder la vidéo, parce qu'il y a toujours des rats, eh ben, je vais quand même faire gagner des petits exclusifs. Et donc aujourd'hui les gars, on va faire gagner les deux classiques bunny. Allez, deux petits classiques bunny. Donc bonne chance à tous les gars. Et puis j'ai juste envie de vous dire, c'est parti les gars. Et on passe directement au vainqueur des autres vidéos. Ok les mecs, c'est parti pour tirer au sort le vainqueur du Huge Golden. Donc les gars, je vous rappelle, pour gagner ce Huge, il fallait installer l'application de ma collab. Et donc me l'envoyer sur Discord. Et donc voilà toutes les personnes qui l'ont fait. Quand même, il y en a eu pas mal. Donc on va voir parmi vous tous les gars, qui va remporter le Huge Golden. C'est parti, je tournerai la roue qu'une seule fois. Let's go. Allez, 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 une dinguerie. Et c'est Charlie. Et bah gros GG à toi Charlie. Ouais, j'attends. Charlie, il était entre plein de gens que je connais. Il y avait Nathan, il y avait Loulou, il y avait Kyo, il y avait Ninja Raph. Et bah GG à toi Charlie. Je vais t'envoyer directement le cadeau. Ok les gars, on est directement dans le jeu. On va évidemment récupérer le petit cadeau. Du coup, c'est celui-là. Hop, le Huge Golden. Et on va directement l'envoyer. Ok les gars, c'est parti pour lui envoyer directement le cadeau. Et donc, on va directement lui envoyer le petit Huge Golden. Hop, de la part de Phoenix, bien sûr. Donc, gros GG à toi. Hop, on l'envoie directement. Et cadeau envoyé. Ok, et bah gros GG à toi. Et merci d'avoir installé l'application. Ok les gars, c'est parti pour tirer au sort le vainqueur du Huge de la dernière vidéo. Donc pas celui de l'application. Ah bah Marcel, déjà t'as pas mis le bon code. Il a marqué banane. Donc c'est pas ça le code. Donc dommage pour toi Marcel. Mais je vais retirer un autre abonné. Et en plus il n'avait pas mis son pseudo. Du coup le code c'était pomme de terre les gars. Et du coup son pseudo Are You French de la part de Karma. Et bah gros GG à toi Karma, t'as gagné. On envoie directement le petit Huge. Hop, et je marque gros GG à lui. On envoie directement. Et talam, cadeau envoyé. Ok les gars, c'est parti pour tirer au sort le vainqueur de la vache myrtille. Et c'est Philippe la bib. J'ai hâte de l'hiver pour la raclette. Ok, bah moi aussi, stylé. Ma réaction quand il y a de la raclette à manger le soir. Il y a de la raclette à manger ce soir. En vrai, les raclettes, c'est très bon. Et du coup, bien joué à toi, Red Pro le Pro. Cadeau envoyé. Et du coup, les gars, c'est parti pour tirer au sort les deux petits pets de Bob l'éponge de la dernière vidéo. C'est Paodox qui va gagner. GG à toi. Putain, il y a tellement de cadeaux aujourd'hui, c'est une dinguerie. Hop, et le dernier, attention, le dernier vainqueur, ça va être Vico. Salut, je participe, mon pseudo boss Vico. Hop, GG, GG, oui. Et tadam, tous les cadeaux ont bien été envoyés, let's go, enfin. Poutrexis, tu vas choisir une boîte entre
0 et 9. 4. Ok, 4. Elle est là. Du coup, je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Ok. Trixie, en vrai, ça t'aiderait beaucoup dans ton chemin. Voilà. Parce qu'il y a des bons trucs okay, dedans. Ok, ok. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Tacos? Et encore, il y a. Moi, ce que j'en pense, je sais pas si je peux te faire confiance. Même moi, dedans, il y a des trucs que j'ai pas. Parce que j'avais la flemme de le construire, voilà. Ok. Ok. Mais c'est, ça veut dire que c'est genre un truc qui va... C'est juste pour mon niveau, pas un... C'est un, pas c'est un truc qui permet de t'améliorer énormément sur le jeu. Ok. Ah, chaud. Qu'est-ce que t'en penses, Tacos, de ce qu'il dit? C'est chaud, je trouve. Et je pense avec seulement deux objets, je pense que ça... Ça vaut 1 million déjà. Ah, parce qu'il y a beaucoup d'items, c'est pour ça, non? Oui, il y a beaucoup, énormément. Mais moi, je crois que j'ai pas assez. Il y a énormément de. Ok, ok. Ah, c'est vague quand même, un peu. Hein. Un peu. 1 million de gemmes, c'est un peu. Non, vague. Non, mais il y a plus d'1 million de gemmes, j'ai dit. Hein. Pas de 1 million de gemmes. Oui, mais oui, je sais. Mais c'est vague. Ça peut être genre 1 million 01. Ah, oui. Bon, bah d'accord. Oui. Bon, c'est au-dessus de 1 500 000. Oh, tu sais, en chérie. Allez, même au-dessus de 5 millions. Voilà, au-dessus ouais, il s'y retire encore. Voilà. Ok. Au-dessus de 5 millions, je sais pas. Il y a plus, mais vraiment plusieurs objets. Il y en a deux différents. Il y en a un. Allez, entre. Il y en a plus de 5 différents d'objets. D'objets ou de dudes. Attention. Attention. Mmh. Ok, moi je pense, Elugox, ça va être le moment. Tu vas nous dire si tu prends. Ou si tu la prends pas. Est-ce que t'es prêt? Si t'as bien fait ton choix. Bah là, je sais pas. Hein. Parce que si c'est un bon truc, je serais dégoûté. Mais si c'est un truc nul comparé aux autres, bah. Ok. Mais je te conseille. Je pense que c'est pas le plus mauvais ni le meilleur, quoi. Donc moi, je te conseille de le prendre. Parce que c'est moite-moite. Et si tu en fais un et que tu tombes sur la main, tu vas avoir le seum. Donc. Voilà. Ok, Lugox. Est-ce que tu prends ou tu la laisses? Allez, je la prends. Ok, tu la prends. Et bah écoute, franchement, c'est pas la pire, mais c'est loin d'être la meilleure. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Tu as gagné une boîte avec 5 millions de gemmes à l'intérieur en objet. Franchement, il y a pire, mais c'est pas la meilleure. Donc voilà ce que t'as gagné, je t'ai envoyé. Je vais dire c'est la combienième meilleure. Attends, c'est la... Bah c'est la... Mais surtout qu'il y a... La attends, sixième y a 14... meilleure. Là, ah bah en vrai, il s'est mis bien en vrai. Bah c'est la sixième meilleure, donc c'est quand même... C'est presque la moitié, donc c'est pas le meilleur, mais bon, c'est quand même moyen, bien. C'est ce que j'avais dit, que c'était pas mal. C'est deux exclusifs, c'est cool. Donc gros GG à toi et Hugo. Ah, deux exclus carrément, bah forcément, bien joué. Ouais, c'est pas mal. Trixis, t'as bien menti. Mais j'ai pas menti, c'est vrai. Bah quand même. Bah, non. Mais j'ai dit la vérité. Oui. Ok, et bah gros GG et Lugox. Et puis je t'envoie ça après la vidéo. Bien joué mon bébé. Ok, GG. Ok, salut. Ciao. T'es un bâtard. C'est dégueulasse, je voulais pas l'avoir. Voilà. Bah oui, je sais. Et je rigole en fait, j'ai là les livres, tiens, je l'ai menti à la gueule. T'as raison, c'est le but du jeu. Ok. Ok, Adam, est-ce que t'es prêt? Mm-hmm. Donc je te laisse choisir une boîte. Ouais, mais alors lui. Je te laisse choisir une boîte entre 0 et 9, mais pas la carte qui a déjà été prise. Du coup, la combien? Bonne. La 9. Okay. Du coup, je vais t'envoyer directement ce qu'il y a dans la 9 en MP, et puis tu vas devoir. Dire ce que tu veux, après qu'il prend, s'il prend pas. Tu sais, moi, tu sais qu'est-ce que j'écris sur Discord? Et qu'est-ce que j'écris sur Discord, il y a clairement ça. Non, je te connais pas. J'écris tout le temps ce mot. Et moi, j'aime bien. Même, je peux te dire combien j'en ai. Ouh. J'en ai 151, même si j'en utilise un devant toi même. Quoi? Peut-être, c'est un autre truc. Sale menteur. Pas vrai, mensonge, mensonge. Faux d'état. Mensonge, perroquet. Vous êtes qu'un perroquet, monsieur. Là, il est en train de me dire qu'il y a des caca arc-en-ciel, attention. Mais c'est un menteur. Sinon, plus, c'est des fruits. Non mais là, attends, il y a combien de potes end dans le truc? Moi, je dis pas. Hein.
Non, mais il y a combien de boîtes au total? Il y en a 9. Il y a 10 boîtes. Il y a 10 boîtes. Donc là, t'es en train de me dire que déjà qu'il y en a une qui est partie. Donc j'ai une chance sur 9. Ça veut dire que j'ai une chance de merde. En tout cas, je vais tomber sur le caca arc-en-ciel, c'est ça? Non, peut-être c'est un fruit. Peut-être c'est un fruit, peut-être c'est un gâteau, peut-être c'est une royalty charme, une seule, peut-être on sait pas. Ah, bah, tu connais les probabilités, chef. De toute façon, moi j'ai déjà tout. Moi je veux les plus huge. Et comme ta réaction elle pue sa mère, je te la laisse. Voilà. Tu lui laisses, c'est ça, Trixis. Je lui laisse. Je lui laisse les charmes. Laisse-moi dire le dernier mot, deux secondes. Vous avez bien parlé, vous êtes sûr? Ouais, on est bien sûr. Trixis. Est-ce que tu gardes la boîte ou tu lui laisses? Je lui laisse. Tu lui laisses la boîte? Oui. Bah merci, hein, okay. Merci pour le caca. Et bah Faze Adam, tu as gagné 5 royalty charm avec 20 millions de gemmes. Let's go. Franchement, tu sais que c'est l'une des meilleures. C'est la... Bah c'est la troisième meilleure. Parce merci. Que... Bah grave, j'ai 4 royalty et 3 overlord. Okay. M'en fous. C'est Big W en fait. Là. Toi, Big t'es venu W. juste pour les huge. Oui. Lui, il veut juste les huge. Le jardinier, il ne cultive plus la tradition depuis longtemps. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Ok, bah Adam, pose déjà à toi. En vrai, t'as un peu troll. Non. La troisième meilleure, quand même. On va donner la boîte numéro 9 à Faze Adam. GG à lui. Il a gagné aussi 5 comme ça. Non, 6 comme ça. Donc GG à lui. Hop. Franchement, il a gagné un bon prix, Adam. Alors, non. Thierry 6, t'as le choix entre la boîte de 0 à 9, sauf la 9 et la 4 qui ont déjà été prises. Quelle boîte souhaites-tu voir? La 3. La boîte numéro 3, ok. C'est parti, ouais. Bonne chance à tous. Alors. Dedans, il y a plus de 10 millions de gemmes. Ok. Et ce n'est pas des fruits. Voilà. Tu dis juste ça. Je dis juste ça. Et après, je lui laisse poser des questions. T'as okay, des questions? Vas-y. On peut l'utiliser? Oui, on peut l'utiliser, oui. Ok. On peut l'équiper? Comme une potion. Une potion. Ok. Oui. Ok. Donc... Et ça dépasse, et je répète, hein, ça dépasse les 10 millions. Ok. Donc c'est un truc qui est très intéressant, tu vois. Ok. Donc là, tu lui dis ça dépasse plus de 10 millions de gemmes, c'est ça? Ah oui. Ok. Déjà, toi, Shamsidine, est-ce que ça t'intéresserait ou pas plus que 10 millions de gemmes ou... Tu penses que tu peux avoir mieux? Je pense pas avoir mieux. Tu penses parce que avec les... C'est plus 10 millions, hein, j'ai dit. Hein. Parce que avec tout ce que... Enfin, ce que je viens de voir dans la boîte, tu peux avoir un huge. Ouh. Ah attention. C'est différent, là. Ah là, c'est, eh oui, c'est différent. Ce qu'il dit, attention. Ah, eh ben... Du coup, alors, attends. Réfléchissez encore un peu, parlez un peu. Ah. J'attends ces questions, moi. T'as quoi d'autre à nous dire? Mais... T'as des questions sur sa boîte? Qu'est-ce que t'en penses? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Est-ce que là, t'as déjà ton choix en tête ou pas? Est-ce que tu sais déjà si tu vas la prendre? T'as déjà ton choix, ok. Bah du coup, je vais te poser la fameuse question. Est-ce que tu gardes la boîte ou tu lui laisses? Je lui laisse la boîte. Tu lui laisses la boîte? Bah en vrai, je me suis mis bien. Oui. Ok, et bah mon petit Trixis, tu repars... Ça va. Avec 16 millions de gemmes. Ok. 5 et huge OMG. Non, bah, dose. Bon, bah, Shamsidine, tu viens de passer à côté de 16 millions de gemmes. Est-ce que t'es dégoûté ou ça va quand même? Tu peux avoir mieux. Ça va, je peux avoir mieux. T'es 5 exclus, hein. Et bah, Shamsidine, tu vas passer au round de 2 contre quelqu'un d'autre. Et j'espère pour toi que tu vas gagner les huge, hein. Dommage. GG à lui. Franchement, t'as bien joué. Est-ce que t'as remarqué qu'il te mentait ou pas? Oui, au début, il m'a dit depuis 10 millions, c'est... Ouais. 10 millions de potions, bah, impossible. Tu vas voir ton prochain adversaire, le petit Shint. Hop, Trixis, je vais lui envoyer ses petits exclusifs. Donc il a gagné la boîte numéro 3. Hop, il a gagné ça, okay. Celui-là. Hop, GG. Oh, il a gagné que des chiens, en fait. Il a gagné que des chiens. Hop, le dog. GG. Ok, c'est bon, Shint. Je t'ai MP ta petite boîte. Et bah du coup, je te laisse dire ce que tu veux. Alors, en vrai de vrai, moi je trouve ça bien. Ok, tu trouves ça bien? Ouais, moi je trouve ça bien. Il y a des gemmes? Non. Non, il n'y a pas moi, de gemmes. Moi j'ai du ping. Il n'y a pas de gemmes. Mais en vrai, c'est bien. C'est des si t'as de la chance, super bien. C'est un huge.
Ouh, la après, question je vais dire le coup de la boîte. Mais après, tu peux lui dire la vérité ou mentir. Alors, en vrai de vrai, il y a plein de clés, okay. Un huge okay. Et des tickets. Le prix ? Il y a 43 millions. En vrai, je pense que c'est vrai parce qu'un huge, ça vaut 40 millions. 400 000 plutôt. Bien vu, bien vu. Ah, je sais pas. Allez-y, parlez encore un peu, débattez. Ça te fait un huge gratuit, quoi. Et des... si t'as de la chance, plus, parce que t'as des clés. Des clés ? Quel genre ouais. De clés ? Il y, a tout... il y a toutes les clés, sauf la Void. Ok. Il est précis, quand même. Pas mal. Et en vrai, sachant que c'est une chance sur 16 000, je crois, ouais, il y a moyen de tu l'aies. Est-ce que t'as d'autres questions, Shamsidine, à lui demander, ou t'as déjà ton choix ? Pas vraiment. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire ? Oui. Okay. Je pense que je vais regretter, mais c'est pas grave. Et bah, tu sais quoi, je te pose la fameuse question. Est-ce que tu prends la boîte ou tu lui laisses ? Je prends la boîte. Tu décides de prendre la boîte, et malheureusement pour toi, c'était pas ouf, pas ouf, pas ouf. Il t'a bien menti, mais bon, c'est le but du jeu. T'as gagné 3 millions de gemmes. C'est un peu moins bien que ce que t'aurais pu gagner tout à l'heure en plus. Donc bon, c'est un peu triste. En vrai, premier degré, je m'en vais un peu, je suis désolé. Bah, c'est le but du jeu, c'est le but du jeu, t'inquiète pas. C'est le but du jeu. T'inquiète. Désolé pour ta Jean-Cidine, et puis. Ouais. Au moins, c'est le prix d'un exclusif, j'ai envie de te dire. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ah, c'est vrai. Ouais. T'aurais pu gagner un caca arc-en-ciel, faut se dire. Et si t'as de la chance, t'as plein de lieux de gens. Ouais, en plus, il y a plein de clés. Bon, bah, dommage pour toi, mais au moins, t'as tenté. Gros GG. Bien joué. Bien joué. Du coup, Shint. Quelle boîte tu veux entre oui. 0 et 9, mais il n'y a plus la 9, il n'y a plus la 3, il n'y a plus la 4 et il n'y a plus la 1 0. Tu veux la boîte 0 ? Ok, ouais. Et donc c'est parti. Je te laisse. Enfin, je vous laisse discuter. Ah, mais en vrai, c'est grave, hein. Ok. Alors, ça se revend bien. Ça se revend bien, ok. Ah, mais... En vrai, non, c'est en bien. En vrai. Evan, est-ce que t'as des bien, questions mais... ou pas à lui poser ? Parce que là, c'est un peu vaste ce qu'il t'a dit. Ouais. C'est un pet ? Peut-être. Peut-être. Il y a eu un long temps de réaction quand même. Ah oui. Donc il a hésité entre mentir ou dire la vérité. Il est fort, il est fort. Donc je pense qu'il a menti. Je pense qu'il a menti. Ouais, j'ai pas menti, j'ai dit peut-être. Ça doit être un pet. Ok. Moi je pense que c'est un pet. Je pense que c'est un pet. Et ça se revend bien, genre ça se vend beaucoup ou ça se revend cher ? Ouh. Les deux, je pense. Ok. Ça réfléchit. Qu'est-ce qui se vend beaucoup et qui se vend cher ? Bah les Hudge, mais... Ah ouais, mais si tu cherches tous les... l'objet parmi tous les objets, t'as pas fini. Ah, donc c'est un objet. Donc c'est un objet. Pas forcément. Ah bah t'as dit si tu cherches l'objet parmi les objets. Bah oui, mais je vais pas dire pet, clé, je peux dire tout ce que je veux. Ouais, t'es suspect quand même. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah c'est le but d'être suspect. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Evan, de ce qu'il dit ? Moi je la prendrai. Mais du coup là pour l'instant tu penses plutôt la prendre ? Je pense plutôt la prendre, ouais. Ok. Shin, t'as d'autres choses ? Je vais me retrouver avec un caca arc-en-ciel. Non, premier degré c'est pas un caca arc-en-ciel par contre. C'est bien plus cher. Bon bah Evan, est-ce que t'as bien réfléchi ? Evan, est-ce que tu prends la boîte ou tu lui laisses ? Je la prends. Tu la prends ? Et bah franchement, ouais. GG. C'est un beau cadeau en vrai. T'as gagné quand même un livre Huge Hunter qui vaut plus de 17 millions. Donc franchement, GG, c'est pas mal. Mais je pense que t'aurais pu avoir franchement pire. T'aurais pu avoir grave pire. Attends, donc c'est pas un caca arc-en-ciel, je suis content moi. Ça va, 17 millions c'est incroyable. Tu sais que je crois que c'est le 4ème meilleur cadeau, donc c'est cool. Est-ce que t'es content ou pas ? Franchement, je suis trop refait. Franchement ça va. En plus j'en cherchais un donc... Ça se trouve qu'il va avoir un caca après, il va pleurer. Mais oui. Bon bah gros GG à toi Evan. Ok mon petit Phoenix, ça va être à toi de choisir la boîte que tu veux regarder. Du coup tu as soit la 6, la 2, la 5, la 8 ou la 7. Ok tu veux la 8, let's go. Alors qu'est-ce que t'en penses Phoenix ? Bah c'est très bien pour farm. Ok. Très utile. Ok. Et ça vaut très cher. Très okay. Utile, ça vaut très cher. Ouais. Genre utile. Utile comme un huge ou utile comme un livre ? Bah comme un huge, oui. Comme un huge. Parce que oui. C'est un huge. Peut-être que oui, peut-être que non. Ouf,
Peut-être. Et plus peut-être que oui ou plus peut-être que non. À toi de voir si tu prends ou pas. Combien de rap? 40 millions. Bah, t'as bégayé un peu. Ah, c'est le prix d'un huge, okay, quoi. Okay. 40 millions, c'est ouais, le prix d'un huge. Ouais, t'as. C'est réponse facile, quoi. Ah, ouais, je sais. Ah, non, non. Non, pas du tout, par contre. Shin, il essaye de lire dans le livre ouvert. Ouais, mais j'arrive pas, je fais genre là. Ça peut te plaire en plus, il est sympa. Ok. Le huge. Ouais, il est en gold. Gold. 40 millions à huge gold. Ah, c'est... Bah oui, comme tu vois comme l'hélicoptère que Prince il fait gagner. Ah oui, viens, j'ai bien vu. Ok, il est bien. En fait, je connais pas son prix. Hein. Fait 40, il a 40 millions. Ok. Ok. T'as d'autres questions, Shin, ou pas, Phoenix, pour essayer de déceler s'il dit la vérité ou pas. C'est utile. Ouais, c'est juste ça, c'est ça que je bloque. Wow. Ah, ouais. Un huge, tu farmes avec, tu gagnes plus de trucs, plus d'items, quoi. Ouais. Hmm. Est-ce que c'est utile comme un cac arc-en-ciel ou pas? Non, pas du tout, par contre. Ok, donc tu dis que c'est pas un cac arc-en-ciel, ok. Ok. Et du coup, le rap de la boîte, c'est 40 millions. Oui. 40 okay. Piles ou un peu plus? Un tout petit peu plus, quand même. Ok. Ok. Est-ce que Shin, t'as déjà un petit avis, là? Ou tu sais pas ouais. Trop? T'as un petit avis? En vrai, ouais. Ouais. Ok, bon bah Shin, là, ça va être le moment fatidique. J'espère que t'as bien réfléchi, je te laisse dire si tu prends la boîte ou si tu lui laisses. Je lui laisse. Ouh. GG. Et bah Shin, tu viens de perdre des fruits. Oh let's go. Waouh, il est chaud. C'est quoi qui t'a fait dire que t'allais lui laisser? C'est le c'est utile. Ah. Tu penses qu'il aurait jamais fait pour un huge? Ouais, voilà. Je pense qu'il va Phoenix, ouais. GG, t'as gagné des fruits. Ah, GG. J'espère que t'es content. T'es encore dans la compétition. Bah, t'as actuellement la pire boîte devant toi. Ah. Ok, la pire boîte. Après, je peux savoir c'est quoi? Je peux savoir, il y a quoi dedans? Putain. Il y a 100 caca arc-en-ciel. Ah. Ok, t'en penses quoi, Nathan? Ah ouais? Donc la prends pas, en vrai la prends pas. Moi, je pense, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses là? Il te dit la vérité? Je pense il ment. De toute façon, t'as le temps, tu peux encore lui poser d'autres questions si tu veux plus savoir, essayer de voir s'il ment ou pas. En vrai, je sais pas. T'as pas d'autres questions à lui poser? Non. Dis-toi que ça fait 950k de gemme. Content. Ouais. En vrai, tu peux prendre, c'est super bien. Attends, tu penses que c'est bien ou c'est pas bien là? 900 000 gemmes. Bah, c'est pas ouf. Pas ouf, ouais. Mais ouais. Est-ce que tu penses qu'il dit la vérité? Il y a vraiment ça ou tu penses qu'il y a mieux mais il ment? Pour la garder pour lui. Je pense qu'il y a mieux. Je pense. En vrai. Ouais. Si t'as bien réfléchi. Ouais, non, alors... je dis rien parce que si. Oh, s'il te plaît. Ok, Nathan. Est-ce que tu préfères prendre la boîte ou alors la laisser à Shint? Tu prends la boîte avec apparemment un caca, apparemment, ou alors tu lui laisses? Oh bah dis pas trop aussi. Non, dis pas trop. Bah je vais la prendre. Ok, tu prends la boîte. Eh bien Nathan, je t'annonce officiellement que dans la boîte, il y avait un exclusif. Oh let's go. Donc franchement, ça va. Franchement ça va, c'était pas un caca. Donc GG à toi. Et c'est même un exclusif à 5 millions de gemmes. Donc c'est plutôt cool. Donc ouais. GG à toi Nathan. Et heureusement que t'as pas eu un caca arc-en-ciel parce que ça aurait été chaud. Et puis je t'envoie le cadeau juste après la vidéo. Vas-y. GG. Alors Nathan, il a gagné la boîte numéro 5. Hop. Donc un axolot. Du coup, c'est parti. On envoie directement à Nathan son petit axolot. Boum. Voilà, le luchador axolot. Boum, boum, boum. Cadeau envoyé. Du coup, Shint, il te reste 3 boîtes à choisir. Tu as soit la 2, soit la 7 ou soit la 6. Quelle boîte tu veux voir? 7. La boîte numéro 7? Ouais. Ok, et eh ben, je t'envoie en privé la boîte numéro 7 et puis tu vas devoir dire à Krazix. Hein. Et donc c'est parti, bonne chance à vous deux. Ok. Alors. Attends, je compte le nombre de huge qu'il y a. 1, 2, 3, 4. 4 huge. Ok. 4 huge.
4 sièges. Ouais. Ah, je peux même te dire c'est quoi les pets si tu veux. Vas-y. Il y a le jaguar, un panda, le bison, l'ours sorcier énorme, et lui je crois c'est la méduse du Peter NG. Ok. D'accord. Du coup il y en a 5 et pas 4. Ah ouais, bah je sais pas compter, my bad. Ah ouais, j'avoue. Un vieux. Et bah du coup bah je le refuse. Attends, parlez un petit peu quand même. Ouais, je déjà. Okay. Parlez un peu. Parce que je sais pas compter. Ouais. Et du coup, attends. Tu te serais trompé. T'as mal vu ? Que je suis une merde. Ah ok. Crazy, t'as des petites questions pour lui peut-être ? Ouais. T'as des questions ? Non, toi, t'as des questions pour lui. Ah, ouais. du coup, y a quoi d'autre avec les pets ? Il y a juste ça. Et huge. Il y a juste ça, c'est tout. Ouais. Essayez de débattre un petit peu là. Le total des gemmes c'est 155 millions. 155 okay. millions. Oui. Ok. Ouais. Pour les 4 du coup. Non, pour les 5, c'est juste, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ok. Est-ce qu'ils ont des charmes ou pas dessus ? Je les vois pas les charmes, je vois juste la boîte. Il y a pas les. D'accord, il y a juste les 5 huge qu'il y a dessus, c'est ça ? Ouais, exactement. D'accord. T'en penses quoi, Krasik, de ce qu'il te dit ? Bah, je pense qu'il ment. Qu'il y a pas de huge. Ok. Ok. Parce que, genre, il a dit qu'il y en avait 4 et il en a dit 5 non de huge. Okay, mais parce que je suis con, je sais pas compter. Je bégaye, c'est la vidéo. Je pense qu'il t'aurait menti, pourquoi ? Je me justifie Est-ce beaucoup, que tu sais mais... pourquoi, Krasix ? Parce que, en fait, je pense que c'est faux. En fait, je vais t'expliquer. J'en ai marre d'être un bâtard avec les gens. Du coup, bah, je veux-t-il la vérité ? Alors, déjà... J'ai confiance. Je sais pas pourquoi, mais t'as un petit sourire dans... Ah ouais, tu vois mon sourire à travers l'écran, trop ouais, chaud. Non, mais genre, t'as un petit sourire comme quoi tu rigoles, quoi. Donc, Bah, je rigole parce que je suis heureux. Ah, t'es heureux. Sachant que Krasik, ouais. Bah, si jamais tu lui laisses, tu restes au prochain tour et donc tu vas voir l'une des dernières boîtes. Et si tu la prends, bah, tu repars avec ce qu'il y a à l'intérieur directement. Et eh ben, cher ami. Attends, je t'ai pas encore posé la question. D'accord. Ah merde, d'accord. Non, j'aimerais bien juste savoir, Shin, c'est quoi ta stratégie ? Bah, en fait, je me dis que la boîte, elle est peut-être encore mieux après et que j'aimerais du coup rester. Okay. Du coup, je régale quelqu'un parce que j'ai fait le gros bâtard tout à l'heure. Okay. Et ensuite, j'espère gagner l'autre huge. Après, imagine, je gagne. Parce que toi, Krasik, si tu le sais pas, caca, mais là. Du coup, là, vu que vous passez dans les derniers, il reste 3 boîtes. Il reste une boîte avec des huge, il reste une boîte avec juste des caca arc-en-ciel. Et l'autre, c'est un truc un peu bof. Ouais. Du coup, je me dis. La boîte des huge, les trucs avec les objets. Depuis... Je me dis, l'autre boîte avec les objets et les huge, le plus m'intéresser en vrai. Du coup, bah. Ok. Pourquoi je préfère risquer pour le caca arc-en-ciel et faire le beau jeu. Ok. Toi, Krasik, t'as quoi à dire sur tout ça, là ? Voilà. Du coup, je pense que ce qu'il me dit, c'est pas du tout les huge, c'est les caca arc-en-ciel. Ok, donc là, tu penses tu vas te faire croire qu'il y a les huge pour qu'il y ait des caca arc-en-ciel, c'est ça ? Ouais, voilà. Okay. Ou alors, si c'est pas les caca arc-en-ciel, c'est d'autres trucs. Mais comme je suis joueur... Ouais... Comme je suis joueur... Attends, t'as déjà ton choix, je vais... là ? T'as ton choix. Oui, je vais donner mon choix, oui. Ok, alors Krasik, est-ce que tu gardes la boîte ou tu la laisses à Shint ? Attention, je garde la définitif. Boîte. Ok, tu gardes je prends la boîte. Tu gardes la boîte. Comme je suis joueur, oui. Et bah Shint, je te laisse lui dévoiler ce qu'il y avait dedans. Je suis désolé. Je m'en doutais, t'inquiète. Ah putain, il y avait un cacard quand même. Oh non, il y croyait tellement pas. En fait, moi j'ai paniqué quand j'ai dit 5, quand j'ai dit le nom des huge. Il m'a cramé direct.
Qu'est-ce qui t'a fait changer la vie, Classix? Bah, en fait, c'est pas ça, c'est parce que vu que je suis joueur, ouais. Et ben j'avais envie de jouer pour voir si c'est vrai ou pas, tu vois. Comme je suis un vrai joueur. À ta place, je me serais dit, c'est tellement cramé qu'il manque, ça se trouve, c'est un truc bien, tu vois. Bah oui. Bah oui, c'est ça. Mais ça se voyait à 100 km ton truc. Même moi, je me suis dit, wesh, il fait exprès ou quoi. Bon, bah, Krasix, je suis désolé pour toi. Mais bon, au moins, t'as participé, t'as porté tes. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah oui. Donc, gros GG. Oh, Krasix, le pauvre, il a gagné un caca arc-en-ciel, frère. Il est où le caca? Il est là. Hop. Je lui envoie quand même, mais bon. Le pauvre. Alors, hop. Je peux pas lui envoyer qu'un seul, par contre. J'en envoie 25. Attends, mais c'est dur d'envoyer 25. Hop. GG à lui. Boum. 25 caca. Ça va, Kenzo? T'es là? Ouais, ça va. Mais pourquoi t'es déprimé? Bah parce que je fais du 8h-17h. Non. Oh non. Tu sais que tu vas moins être déprimé là. Tu sais pourquoi tu vas moins être déprimé? Non mais déjà j'ai déjà une leucerve là. Déjà est-ce que tu peux être un peu plus enthousiaste? Parce que quand je vais te dire ce que t'as gagné déjà, tu vas... Donc hein. Je peux... Un Titanic là-bas là. Bah dose. Hint, viens. Regardez-vous bien droit dans les yeux et arrêtez de bouger. J'ai une réaction en mode « mais non ». Arrête de bouger, mais toi... Mais frère, Kenzo voilà, est trop hyperactif. Ok, déjà je vais t'expliquer le concept, Kenzo. Du coup là vous êtes en finale, il reste que deux boîtes, donc il reste que vous deux, Shin et Kenzo. Et vous allez tous les deux repartir avec un cadeau. Comme vous êtes aux deux derniers, bah, il vous reste juste une boîte chacun. Donc ce qui va se passer... Heureusement je suis arrivé en dernier. Bah oui. Après, heureusement ou pas, parce que ça se trouve il reste deux caca. Il reste que des trucs nuls, on sait pas. Je veux dire la vérité, je sais pas comment c'est possible, il reste les deux meilleures boîtes. Genre vraiment. Il reste les deux meilleures. Ouais, donc heureusement je suis parti en dernier, heureusement je suis arrivé en dernier. Et dites-vous que même dans la pire boîte il y a un huge. Donc imaginez la meilleure. Mmh. Ah, ça revient. Donc là vous êtes tous c'est les deux. C'est un truc Rainbow Shiny. Ah bah Doze aussi. Bah oui. Lui là il a cru que j'étais Mr Beast. En plus c'est grâce à Phoenix, donc vous pouvez lui dire merci. Ah mais tout est grâce à Phoenix ou... Et oui, donc, il est là, ah, en plus dites-lui merci. Voilà. Ok. Krasix, il a gagné quoi? Il a gagné un caca arc-en-ciel. Mais tu sais que Shin, j'ai cru que t'allais perdre de fou. Mais vraiment. Je me suis dit, mais il a troll. Il m'a cramé, je me suis dit, t'as de la chance qu'il l'ait pris. Ouais. Mais après, t'aurais dû justement faire exprès de pousser le truc, Shin. T'aurais dû pousser le truc et genre rentrer dans ton mensonge, tu vois. Pour qu'ils se disent, ils se foutent de ma gueule. Et comme ça, il aurait encore plus pris. Mais les deux sont bien ou? Les deux sont égales ou t'en as un qui est quand même meilleur? Du coup, Shin. Est-ce que ça te va si on montre la boîte à Kenzo ou pas? Vu que depuis tout à l'heure tu le fais. Du coup les gars, je vous explique. Là c'est la finale. Dans la pire boîte, il y a un huge, ok? Ouais. Dans la meilleure boîte, il y a 3 huge, dont un qui est assez stylé, ok? 3 huge. Ouais. 3 huge. Donc vous en gagnez soit 1, soit 3. Et dans les 3, il y en a un plutôt cool. Du coup, Kenzo, entre la boîte numéro 6 et la boîte numéro 2, laquelle tu veux regarder? Le 2, parce que c'est mon anniv, je suis né le 2 juin. Ok. Bonne chance à vous deux. C'est parti. Je t'ai envoyé Kenzo. C'est parti. Let's go. Ok. Allez. Moi, je te dis, dans ma boîte, il y a un huge. Ok. Il y a un seul huge dans ma boîte. Donc, en vrai, je te conseille pas trop, tu vois. C'est un huge... de l'événement RNG, genre. C'est lequel? C'est le holo... Enfin, le temps, là, le temporal. Ok. Il est à combien, le rap? Le rap? Je crois qu'il est... Il est à 36.7. Il y a juste le huge dans la boîte? Bah, il y a un seul huge temporal. Ok. Donc après, tu prends ou tu prends pas... Ouais, je te conseille pas de le prendre, tu vois, c'est... Ouais, bah, j'ai fait mon choix. Déjà? Ouais. Déjà? Ouais. Ok, bon bah... J'abrège. Je voulais pas débattre un petit peu, il abrège direct, ok. Je suis sûr que je débate. Ouh, ouais. un petit enfin, mot comme ça. Enfin, débate dans mon sens, quoi. Ouh. Ok, bon bah, Shint, est-ce que tu prends la boîte de Kenzo? Ou tu préfères garder l'autre? Je suis pas mentir. Je lui la laisse. Tu lui laisses la boîte.
Ouais. Merci, Shint. Tu lui laisses ? Ok. Bon, bah, Shint, tu viens de gagner. 3 huge. 3 huge. Let's go. GG. C'était sûr. Okay. En fait, comment t'as fait, Shint, pour savoir ? Enfin, il m'a dit, je crois, il est à 36 et quelques, alors qu'on voit le prix rap dans la boîte. Ah, c'est la petite erreur, comme ça. Ouais. En fait, j'aurais pas dû mentir. Mais ouais, vu que je suis expérimenté. Gros GG Kenzo, t'as quand même gagné un huge. T'as quand même gagné un huge Kenzo, donc franchement. En vrai, le huge, c'est le huge shuriken. Ouais, en plus. T'as voulu lui. Donc, pas ouf. GG. Bon bah, GG Kenzo, t'aurais pu avoir un caca arc-en-ciel, t'as gagné un huge. Après, je suis arrivé en dernier pour le huge, mais. En fait, j'ai paniqué. En fait, ça aurait été Shin, tu vois, limite, ça aurait été plus facile parce que j'aurais pas stressé. T'as gagné le deuxième meilleur prix de toute la vidéo, donc sois quand même content. Par contre. Krasik, je crois, il boude un peu. Bah, ouais, il a caca. Gros GG à toi, notre grand vainqueur qui a eu 3 huge. Et je vais te montrer c'est quoi d'ailleurs. Parce que tu sais pas encore lesquels. C'est assez basique, mais il y a quand même 2 huge. En tout cas, s'il y a un huge que j'ai pas, je veux bien que tu me le trahis contre le shuriken hein, parce que je l'ai déjà. Oh le rat. Voilà, Shin, t'as gagné un huge Active Egg Fluffy Cat, un Mechatronic RNG Golden et un petit Egg Dino très mignon. Avec 123 millions de RAP. Donc franchement, tu te mets pas mal. Merci. J'ai menti 36.9 et vu que j'ai pas dit. Merci Phoenix, attention. 1, 2, 3, merci Phoenix. Merci Phoenix. Shint, il a gagné. Ah, mais lui, on va lui envoyer un dernier ou pas? Vas-y, je sais quoi, je lui envoie maintenant. Lui, il a gagné 3 huge carrément. Alors attendez, où est-ce que c'est? Hop. Il a gagné 3 petits huge. Alors, niveau 11, 60 et 81. 11, 60 et 81. Faut pas que je me trompe. Hop. Niveau 11, 60 et 81. Du coup, 81. GG. Boum. Oula, oula, wesh, mon perso, il avance tout seul. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait un golden machin. Niveau 11, niveau 60 et niveau 81. Et le dernier, c'était un egg, je sais pas quoi. Hop, niveau 11, donc c'est celui-là. GG. Hop, voilà. Je vais lui marquer cadeau. C'est bon. Ashin, s'il allait regarder direct. Ensuite, on a qui? On a Kenzo. Kenzo, il a gagné quoi? Kenzo, il a gagné un huge. Kenzo, frère, il est venu une seconde, il a gagné un huge. C'est vraiment le GOAT. Ok, niveau 15, boum. Un petit shuriken niveau 15. Hop, boum, GG, cadeau envoyé, boum. Toi, t'es venu, t'as gagné un huge. Bon les gars, Phoenix, il veut donner à Krasix tous ses cadeaux. Je lui ai dit, mais non, t'inquiète, je te les donne à toi. Et il a dit, non, t'inquiète, donne-les à Krasix. Du coup, on va lui envoyer à Krasix, les gars. Donc, il y a tout ça. Au pire, tu sais quoi? Comme c'est pas le cadeau de Phoenix, les gars, et qu'il y avait 800 000 fruits, enfin 800 000 gemmes, au lieu de donner 800 000 gemmes, je vais donner direct 1 million, c'est encore mieux. Voilà, 1 million de gemmes pour Krasix. Comme ça au moins, c'est encore mieux que les fruits, et puis les fruits de Phoenix, je vous donnerai un jour s'il les veut. Ok, du coup il nous reste quoi les gars? Il nous reste le Huge Hunter et celle-là aussi. Je sais pas c'est qui l'avait gagné. Ah, il y a Evan, mais il a pas mis son pseudo. Et Shamsidin, mais lui je connais déjà son pseudo, donc je vais lui envoyer. Bon bah Evan et Lugox les gars, je leur enverrai dès que j'aurai leur pseudo. De toute façon c'est pas ceux qui ont gagné les huge, donc vous inquiétez pas. Il leur restera tous les objets là et le Huge Hunter. Donc voilà, GG à eux en tout cas.